C'est parti pour l'épisode de Salut à tous, c'est Thiob. Alors, dernière fois, on s'était laissé, on avait pris ces quatre villes là. Donc, du delta du Rhône, Damiette, Mansoura, El Mahalla, El Kubra et. Damanhur. C'est mieux. C'est mieux. Ok, très bien, blablabla. On avait réussi à repousser cette armée aussi, hein, difficilement, mais sûrement. On avait eu aussi un peu de chance d'avoir un bon terrain. Alors, on va faire le tour un petit peu des villes, comment ça se passe. Bon, ils sont pas contents. Ce que je peux comprendre. Pas de problème. Hein. Ça travaille, rien à construire. Peut-être des routes, faudra voir plus tard. Ici on a envoyé notre gentilhomme. Ah oui, je prévoyais donc de prendre Zagazig et le Caire. Vu qu'il n'y a pas grand chose à construire, on va vérifier qu'on a bien toutes les routes un peu partout. Route pavée ici. Ah bah, route de terre, hein. Va peut-être falloir commencer à faire ça, bon. Et alors voilà, ici on va recruter quelques unités d'infanterie, parce qu'on sait que très bientôt, on va avoir l'anglais qui va nous embêter. Là, de tour, on a nos artilleries d'huile livre, je vais y arriver. Hein. Hop, je crois que c'est mieux, comme ça c'est parfait, on va pouvoir passer le tour. Alors j'aurais bien envie de poursuivre en vrai, mais j'ai... Sans artillerie à... dans cette ville, sans artillerie avec cette armée. Je vais voir si ça passe. Écrasez-les comme des mouches. Ça passe en résolution autour, donc c'est ce que je vais faire. Voilà, 27. J'aurais pas fait mieux, clairement. Mon général qui up, plus un moral pendant les batailles, c'est très bien. Et là il reste pas grand chose de cette armée. On a une vision ici ou pas? Non, bah, une petite armée apparemment, mais pas grand chose. Donc on va vraiment passer ce tour. Bon, ils sont pas contents, voilà, comme d'hab. Hein. Purée, je viens de créer l'université, ça y est, la casse déjà, quoi. Ah, c'est pareil. Allez. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Toujours une petite armée, bon, on va les faire partir. Pas déconner non plus. Une ligne de bataille. La résolution automatique. Peu de pertes. Toujours trop, mais quand même. Là, je suppose qu'il y a une belle armée. Hein. Ouais. Faire un petit sabotage d'armée ici. J'enquête sur la suite. Ah, bah, ça, il y arrive pas. Hein. C'est dommage. C'est pas très très grave en soi non plus. Hein. Ok, on va pouvoir faire du bon recrutement. Il nous reste pas mal d'argent. Et tour prochain, je relancerai des artilleries ici. C'est parti pour le premier tour. Alors, on va dire, oui, mais pourquoi t'en profites pas? Il faut conquérir, machin. Oui, mais là, vu que mes villes sont un peu énervées, je préfère stabiliser et sortir une autre armée. Ouais. Rébellion, pardon. Alors ça, c'est un peu moche, hein, ce qui s'est passé. Sachant qu'en plus il y avait moins 1, si vous voulez en moral, il y avait moins 1 en classe dominante. Purée, je suis un peu deg, je suis très déçu, très dégoûté. Sachant que. On peut voir, et c'est pas la joie, hein. C'est clairement pas la joie au niveau des armées. Là c'est éparpillé, ici c'est. Des canons ici, là j'ai mes canons qui devraient arriver pour aller. Ah ouais, j'ai rien, j'ai personne. Ah bah si, voilà, je vais ramener l'armée là. Marchez. Je vais prendre les canons. Marchez. Est-ce que même il y a assez de portée? Ouais, je crois que ce que je vais faire, c'est je vais réunir les deux armées.
Et je vais aller attaquer. Troupe en avant. Non. Ça c'est chiant ça. Mais non. Ah. C'est pas ça que je veux faire, bordel. Pourquoi j'attaquerais une armée qui est... Dromadaire et tout. Enfin bref, fausse manipulation de ma part. Sonnez les retraites. Voilà. Je ne pensais pas qu'en cliquant dans la zone rouge. Ça charge une bataille. Donc je vais reprendre la sauvegarde rapide, faut pas déconner. Donc apparemment, ici c'est pas bon, mais ici c'est bon. À gauche, marchez. Donc si j'envoie bien tout le monde. Voilà, on va bien envoyer vraiment. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Voilà. Allez, merci. Facile. Proie facile, proie facile. En résolution auto, ils sont plus nombreux quoi, qu'on parle. Glorieuse victoire. Voilà. Peu de pertes pour mon côté, beaucoup de fiens. Nous ne pouvons faire cela, monsieur. Alors, on va aller finir un coup quand même. Pas déconner, résolution auto. Votre humble serviteur. Ça fait beaucoup oui, là, non? Éliminez l'ennemi. Putain. Glorieuse victoire. Ah bah, à vos ordres. Oui, ah, monsieur. Existants, les salauds, hein. Monsieur. Ah, donc, là, on va... Tenez-vous prêt à la mort. Dans nos villes. Purée. J'ai cru que j'y arriverais pas. Est-ce qu'on a assez pour recruter? On a assez pour recruter deux canons. Bah, on va recruter deux canons. Ici, on a quoi comme armée? Ok. On va attendre les Anglais qui devraient débarquer par là. Et une fois qu'ils auront débarqué, on prendra l'armée, on l'amènera autre part et on essaiera de consolider un peu nos... nos frontières maritimes avec une flotte. Même si bon. Route bloquée, route bloquée, très bien. Ils ont quoi? Qui c'est qui. Oui. Qui vient là? Monsieur. Bon. À gauche. Oui. Marchez. Citoyens. Voilà. Marchez. Une armée. Écrasez-les. Une résolution automatique. La vertu et la valeur invaincue. Et voilà. Hommes en avant. De ces deux petites armées. Votre humble serviteur. Ensuite, on se met au niveau du pont et on bloque le passage au niveau à du pont, ordres. Ça c'est important. Oui, monsieur. La bataille de pont en général est beaucoup plus simple. Est-ce que ici je peux recruter de l'infanterie de ligne? Ouais. Donc, je vais recruter de l'infanterie de ligne. Ici, ils sont sortis. Ouais, ça se voit. Là, on a des canons qui sont en cours. Je me tends très bien. Ah non, moins de... Ah si. Ah oui, non, mais je les ai envoyés là, les canons, c'est vrai. Là, du coup. Chercher mes canons, je les aimerais. Je sais pas si c'est où, c'est con. Non, non, ils sont bien où il faut, en fait. Alors, là, ça se passe quoi? Oui, j'ai un agent. On va essayer de faire un petit sabotage de l'armée, je sais pas. Non, toujours pas. Je sais pas combien de pourcentage j'ai, mais. C'est pas génial. Faudra faire l'université classique. Prochain tour aussi. Ensuite, je vérifie s'il y a Damiette, on peut enfin libérer. On peut enfin sortir nos unités. Parce que bon, c'est pas que c'est un peu chiant, mais un peu quand même. Agent recruté Damiette. C'est. Voilà. Est-ce qu'on peut les sortir, nos chasseurs? En avant! Marchez! Oui, très bien, enfin. Oui, monsieur! Napoléon, tu vas retrouver tes unités. Voilà. Tu vas là. Voilà, tu me fais des recherches, c'est parfait. Ici on évolue, comme on disait tout à l'heure. Là au niveau de l'infrastructure, il devrait y avoir des routes. Des routes, des routes, des routes, et un petit chemin de terre. Voilà. Napoléon, si je te fais sortir, ça passe. Ça devrait. Donc armée. Ouais, bon, peut-être pas ce tour-là, mais le tour prochain on va à Zagazig. Ici, on fera une friche. Et on va défendre.
Voilà. Ah, il y a du monde des Agazigs d'un coup là. Non, ça va. Là j'ai vu une armée. Ah d'accord, mon travail a des canons en plus. On va pas dire non. Je crois qu'en plus ici. Je vais pas lancer un recrutement, non. On va faire un petit recrutement, un bon recrutement d'ailleurs. Ici au niveau de l'armée, on va l'envoyer à Alexandrie. Et pareil pour les prochains. Très bien, très bien. Il est à portée, dis donc, mon couillon. On attend juste en fait le débarquement anglais. Il vient pas, dis donc. Ils se font attendre. Ah, ça devrait pas tarder. Après avoir passé plusieurs. Ouais, voilà, c'est très bien. En attendant, quand tu fais sabotage de l'armée, bah tu échoues. Ouais, merci, merci, je suis trop fort. Je suis. Oui, monsieur. Je suis visionnaire, t'inquiète. Prochain tour, on va pouvoir attaquer Zagazig. Alors, il y a quoi là? Petite armée, ok, pas grand chose. Petite armée, pareil, pas grand chose. Et au niveau de celle-là. Pas de problème. Voilà. Je voulais quand même vérifier qu'il y ait bien du monde. Zagazig, pareil, je vais faire 3 canons histoire de. Damiette, pardon. Au cas où, ils viennent nous attaquer avec quelques petites armées, mais qui sont suffisamment chiantes pour. À nous obliger à perdre une ville ou alors vraiment une bataille un peu compliquée. Donc là on continue le siège, si possible de faire perdre ces unités. Très bien, très très bien. La vache, la taille de l'armée. Attends, il y a double armée. Oh la vache. Oh. Bon, sabotage de l'armée pour échouer encore. Oh. Ah, en plus, sa mission de désinformation de l'ennemi, c'est bien ça, mais ça, du coup ça fait quoi? J'ai aucune idée de ce que ça fait. Attends, y a pas un moyen de. Non. Cette fenêtre. Non, non, je m'en fiche, toi. Bon. Oh. Écoutez, ça fait quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Alors là, on va régler les canons. Et si on va lancer un petit recrutement encore, toujours. Et... Ah, non, peut-être quelques chasseurs. Ah, il va falloir. Ici au niveau d'armée, ça dit quoi d'infanterie de ligne? Napoléon, t'as combien? T'as 18. Non, on va. Ouais, il reste. Voilà. Et on continue ici, bien sûr. Un petit siège de Zagazig. Mamouki, on passe réveiller un moment? Non, purée. Oui, monsieur. Donc, ce que je vais faire, c'est que, en fait, vu que ça se réveille pas, je vais envoyer ma deuxième armée. Et on va aller à deux armées sur le Caire. Par contre, j'aimerais bien passer par là. Collecte de ravitaillement. Voilà. Homme, non. En avant. Citoyen, on va l'envoyer ça ici. Marché. Et bien sûr, on va recruter encore un petit cavalier. Et on fera plus tard de l'infanterie de ligne. Ici, il me semble qu'on pourra faire une infrastructure, une route pavée. Donc on fera ça le tour prochain si on a l'argent. Et sinon, on va attendre. Parce que là... manque un peu d'argent. Très bien, on peut faire des écoles publiques. Là on voit qu'il y a une petite armée là qui s'est faite. Est-ce qu'ils voudront aller sur Napoléon? Je ne sais pas, mais tout ce que je sais c'est que normalement on devrait avoir des fortifications en fait. Si jamais on attaque, on aura des défenses plutôt correctes. Voilà. Je peux attaquer directement? Non. Donc on va se déplacer. Tu vas aller là. Et là on avait dit qu'on ferait une route. Voilà. Plus de thunes. Et on passe le tour et à mon avis on va se faire attaquer. Pas du tout. Je sais, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais ils défendent ni leur village, pourtant ils ont. Ils ont l'armée. Hein. Alors, le moral des troupes. Mon général, vous tenez dans votre main le premier exemplaire du nouveau courrier de l'Egypte. Y'a pas de hache, tiens, voilà. Il relate des nouvelles du monde, les dernières découvertes en histoire et histoire, pardon, de nos nobles généraux et soldats. Non seulement il vous aidera à remonter le moral des troupes,
Mais ils leur donneront une envie de se battre, et car ils sauront que leurs exploits ne resteront pas oubliés. Crase d'informations mis en place. Ouais, ok, c'est bien, mais... On va faire un sabotage de quelque chose. Genre, bah non, tout ça, c'est mis, en fait. C'est assassinat. On va voir ce que ça fait. Oh! Ouais, c'est le moment, de faire un siège là. Comme rat en cage. Comme rat, R-A. Voilà, on va prendre référence ceux qui pourront. Préparez-vous pour la bataille. Route commerciale bloquée. Ah ouais? On a validé. Oh la vache! Tout ce que ça génère comme argent, 5554. Waouh. Voilà, vache, c'est juste énorme. Attends, même... Ah ouais, ouais, ah ouais, bah ouais, faut... falloir faire tomber hein, le Caire. Hein. À mon avis, ce sera une grosse bataille. Mais... Ah, les Anglais. Les pirates. Bon, les Anglais. Voilà, donc ça nous attaque. Donc c'est... Babur Farouki qui nous attaque avec... Mais lui il a pas de nom. Très bien. Donc c'est Jean-Baptiste Kléber qui va défendre ça. Il y a quoi? Il y a quelques canons. Ils ont la supériorité d'artillerie au niveau du nombre et distance, c'est bien. Par contre, aussi, pour l'unité de corps à corps, on a des explosions. Ah, on a un petit déficit en cavalerie. Ah, ça c'est bien. Alors, si c'est une bataille défensive, on va buter la bataille sur le champ avec vous, sinon, je vous dis à tout à l'heure, à la fin de la bataille. Enfin! Bon, ça aurait été compliqué hein, de déloger saloperie de canon là, des collines. Et ça sera fait au prix de nombreuses pertes, mais il en a eu beaucoup plus que moi, hein, donc ça m'arrange, mais là j'ai eu vraiment beaucoup de pertes. Hein, surtout ma cavalerie, elle s'est faite avoir là, dès le début, elle a pas tiré, je sais pas pourquoi, c'était cavalerie contre cavalerie. Elle a pas tiré au début et je me suis retrouvé à égalité, j'ai eu beaucoup de pertes pour rien. Et... Ça s'est pas bien passé, hein, ça s'est clairement pas bien passé. Alors ils sortent, très bien, je vais mener ma bataille sur le champ, alors je crois en plus que c'est une bataille défensive. On va voir ça. Ils ont le temps de préparer leur défense quoi, c'est surtout ça le truc. Yes, vous pouvez voir hein, avec là les défenses prêtes à déployer. C'est exactement ça que j'attendais. Alors, est-ce que j'ai des hauteurs? Oui, j'ai des hauteurs ici, c'est parfait. Donc, on va déployer tout simplement les canons sur les hauteurs. Je vais pas chercher compliqué. Voilà, j'ai un bon. Voilà. C'est quoi là? Je vois qu'il y a encore un peu de hauteur. On va mettre comme ça. Ça va être très bien. Est-ce que j'en ai une hauteur par là? Oui, j'en ai une autre hauteur là. Monsieur! Très bien. Donc on va faire comme ça. On va chercher plus compliqué. Donc on va bien protéger les flancs. On va se barricader. Hein. Ça c'est très efficace. T'as que la tête qui sort, c'est très difficile pour l'ennemi de tirer dessus. Je peux étendre mais pas trop, en général c'est deux lignes et ça couvre pas plus de deux lignes en largeur. Donc, on a 3. Voilà, ça c'est pile. Et c'est quoi tout ça là? Je vais les déployer avec des lignes devant. Bah non, je peux pas. Ah, ah, c'est que les légions lombardes, c'est que ces deux-là qui vont pouvoir. Infanterie légère à vos ordres. Celui-là et celui-là qui vont pouvoir déployer des lignes. Donc on va les faire avancer. On va faire déployer ici. Et on déploie les lignes. Le général, bon, c'est pas une surprise, on va bien le planquer derrière histoire qu'il se prenne pas de canon, de boulet perdu ou quoi que ce soit. Là il est bien.
la cavalerie sur le côté. Ici, tiens, d'ailleurs, je vais pouvoir faire des défenses. Ah, merde, je suis con, j'ai pris les jeux de barre. On va refaire ça. Voilà, ici tout le long. On met des mines. Oui, monsieur. Voilà. Eux, ils sont pas encore. J'ai pas encore dépouillé ces unités là. Infanterie, au rapport. Et là, on va mettre voilà, des petits pièges à trucs. Bien évidemment, je ne mets pas de suite en feu à volonté. Lancez des ordres, monsieur. Il faut que je fasse reculer mes unités. Voilà. En marche rapide. Je crois qu'il y a des mines par là. C'est ça, les mines. Ah ouais, mais c'est voyant, non? Ça se voit. C'est pas très très discret, hein. Ah là, c'est un peu plus discret. On va accélérer, bien évidemment. Une fois que ce sera passé, on va dire feu à volonté, les gars. Hop, ça passe, passer sur la droite. Lui, voilà, feu à volonté. Voilà. Et alors là, vas-y que ça tire, vas-y qu'on envoie tout ce qu'on a, les gars. De corps à corps, ça c'est du mouk tout court, c'est une petite corps à corps. Ah non, c'est quoi? Population armée. Mais bon, ils sont armés à base de sabres, je suppose. Ouais, de sabres. T'as des paysans recrutés, ils ont le droit d'avoir un peu de... quelques hop, ça là, on voit ça. Directement comme ça. Ce serait bien qu'il fasse feu cette fois. Wow, les lignes qui sautent, sympa le feu d'artifice. Non, elle monte pas sur leur cavalerie. C'est pas assez. C'est pas assez, je préfère faire une formation carrée. Faire hasard. Sur l'autre flanc, c'est bon. Ok, c'est très très bien. Ok, là je vais déborder la surface tranquillement. Allez faire rentrer, hein, vous voyez, parce que je vais dessus et c'est plus facile à suivre. Infanterie! Il est plus, bah, oui, là, il est compagnie en ligne, préparez-vous. Ils sont maintenant à portée de nos fusils, monsieur. Bon, bah, lui, bien sûr, on passe les canons maintenant en mitraille, en boîte à mitraille. Aïe. Non, c'est bon. Allez, je vais bombarder, prêt, monsieur. Alors, j'ai mis trop de temps à réagir là. Ouais. J'ai pas été bon, j'ai mis trop de temps à réagir. Là, je suis pas mis en charge. Là, c'est comme ça que je suis pas mis en charge. Il faut que j'arrête de tirer. Je tiens le tir plutôt sur le général derrière. Ouais, c'est pas ouf là ce que j'ai fait. Hein. Là, c'est un peu trop fluide là. C'est pas ouf. Et là, la boîte de mitraille, c'est bien le... C'est pas fait, non, c'est bien. C'est une belle victoire, monsieur, que vous allez bientôt remporter. En général, bah... Oui, monsieur. Le canon. Ça fait
monter, toi. Va monter, va monter. C'est le moment d'envoyer la coupe à partir. Putain, je l'avais pas vu, bah voilà, il est parfait, ça tu l'avais pas. Si si, je l'ai encore le. Mais il sort d'où lui? D'où ça sort? En général, il est mort. Allez, on va attaquer là-bas. Ah, c'est ma chance. C'est ma chance, faut qu'il recharge un coup. Retraite là-bas. De toute façon, on a l'avantage des canons. Hein. Le seul but là, c'est de dire, bah, venez sur les canons, les gars. Voilà, il y a un tir de canon, là, ils prennent un gros coup au moins au moral. Alors, pas forcément, ça touche. C'est vrai, ça touche pas des masses, hein, mais au moral, bah, ils sont pas bons, quoi. Hop, allez, on passe mot à mieux. Bon, c'est gagné. J'aurais pu mieux jouer. Ah non, c'est pas gagné. Les hommes sont rompus de fatigue, monsieur. Ils ont besoin d'un peu de repos. Sinon, c'est pas grave. Ça fera mon déni à terme. Il revient pour fuir. Hein. Littéralement. Bon, c'est une victoire. C'est une victoire chère. Mais personne ne nous vaincra. J'aurais pu largement mieux m'en sortir, je pense, surtout dans les conditions où j'étais. On a quand même capturé Zagazig. C'est pas si pire. Bon, on fait la caserne par contre. Ouf, j'ai pas beaucoup d'argent. À vous en. Ici j'ai mon agent, on va faire un petit sabotage de l'armée. Ouais, j'ai l'air raté, hein. C'est pas nouveau ça. Village assiégé. À vous en. Pas nouveau. Là, on fait une petite résolution victoire automatique, voilà. Attaquez le Caire, monsieur. La deuxième plus grande ville de l'Empire ottoman. On en trouve certains des érudits les plus savants de l'islam. Son université d'Al-Azhar est aussi célèbre au Moyen-Orient que l'université de Paris en France. Avoir conquis une ville de cette envergure et à l'histoire aussi riche représente un véritable exploit. Savourez votre victoire. Occupation pacifique. On lance un petit coup de réparation parce qu'il faut pas déconner. Voilà, ici je ne sais pas s'il y a besoin. Non, apparemment. Et là-bas, on va y envoyer le gentilhomme, là, un des deux gentilhommes. Dans la ville intellectuelle, dans le centre intellectuel, pardon. Alors, on voit qu'il y a quelques personnes qui ont survécu. On va aller les chercher. Nous sommes puissants et invaincus. Voilà, on autre chose les gars. Et on occupe le centre intellectuel. Et c'est ici qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Donc on aura bien conquis tout le delta du Nil. Ça fait plaisir à voir. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi. C'était Thiob. Ciao, à la prochaine.